Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Noël et donc forcément qui dit Noël dit cadeau et donc il est temps pour moi de vous faire un petit haul. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai gagné. Oui, j'ai eu la chance de gagner deux petites choses lors du mois précédent. Tout d'abord avec un tirage au sort sur le site de Graffiti Girl et donc j'ai gagné ce petit die. Donc c'est l'arbre à triangle, je vous le montre. Voilà, il est tout petit, tout mignon. Donc j'ai déjà fait un petit exemple. Alors, je le mets là, vous verrez mieux. Vous voyez, c'est super mignon. Et donc, bien sûr, pensez à garder les petits triangles pour décorer vos créations. Donc voilà, j'aime beaucoup la petite pochette en craft, elle est super sympa. Et décidément, je suis chanceuse avec eux parce que ça fait deux fois que je gagne un tirage au sort sur leur site. J'avais déjà gagné un petit bloc 15 par 15 de leur toute première collection. Et vraiment, moi qui gagne jamais rien au tirage au sort, là, ça fait deux fois que je gagne sur leur site. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez un concours chez eux, tentez votre chance parce que, vous voyez, n'importe qui peut gagner. Je vous montre ensuite ce beau cadeau que j'ai eu la chance de gagner également. Alors là, c'était pas un tirage au sort. Il fallait faire une création pour les 11 ans de la fourmi créative. Il fallait faire une page intitulée « Joyeux anniversaire la fourmi créative 11 ans ». Et donc, vous pourrez retrouver ma page ainsi que le tutoriel détaillé en pas à pas qui est sur mon blog miaoukscreation.com. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionnée par le jury comme leur page préférée. Et du coup, j'ai remporté le premier lot. Donc vraiment, j'étais très 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 contente. Donc encore merci la fourmi créative. C'est pareil, n'hésitez pas à participer à leur challenge parce que vous voyez, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous le montre. Alors, on dirait vraiment un jouet, j'adore. Voilà, donc là, c'est pour remplir le papier. On a un compteur qui indique le nombre de photos restantes. Voilà, la dragonne évidemment, pour pas le faire tomber. Vous voyez, la photo qui sort par là. Et puis, hop, quand on l'allume, vous voyez, il détecte automatiquement la luminosité. Et du coup, il vous dit comment le régler pour avoir la photo optimale. Donc voilà, je vous fais pas de tuto, hein, c'est pas le but. Je vous montre rapidement donc, le très très beau cadeau que j'ai eu la chance d'avoir. Donc comme j'habite en Guadeloupe, je l'avais fait envoyer chez ma mère et du coup je l'ai reçu là juste pour Noël. Donc ça m'a fait un cadeau de plus, j'étais vraiment ravie. Très très beau cadeau. Et ensuite, eh ben, mon chéri m'a fait le plaisir de me commander un petit colis de scrap. Vous avez vu qu'en ce moment je ne m'achète plus rien, donc vraiment là ça m'a fait très très plaisir. Un beau cadeau de Noël. Alors voilà, je vous montre. Un petit die Lawn Fawn Love pour l'exemple, voilà. Je le trouve vraiment très très joli, ça fait une belle découpe. Avec des traits larges, donc qui n'est pas trop fragile, donc vraiment j'adore. Un classeur d'embossage pour Big Shot, donc des écritures. Donc ça, j'en avais pas de ce style. Alors, j'ai commandé des tampons de fond. Oui, alors c'est mon chéri qui me l'a offert, mais j'ai quand même choisi. Et puis après, c'est lui qui a validé la commande, donc je ne savais pas exactement ce qu'il y aurait, mais bon, j'avais une idée. Donc voilà, un petit tampon de fond Florilège Design. Petit grillage en fait, et puis celui-ci de Kaiser Craft qui est très très sympa, qui est plus grand. Voilà, des losanges avec les bords effacés. Je pense que je vais faire de belles choses avec des petits tampons que je trouvais rigolo. Alors, moi, vous avez vu, ceux qui me connaissent, que j'aime bien faire le pitre sur mes photos, et du coup, voilà, lol, mort de rire, des choses comme ça. Je pense que ça ira bien avec mes créas, donc quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à moi, ça me convient bien. Donc voilà, par contre, j'ai rien de cette marque encore, c'est mon premier, donc je les ai pas testés, je sais pas ce que ça vaut, donc j'ai hâte de les essayer. Alors voilà, j'ai deux petits flacons de Enamel Accents, c'est pour faire des petits Enamel Dots en fait, avec un petit liquide. Donc voilà, j'ai essayé rapidement, c'est super sympa. Je vous montre. Voilà, ça fait ça, des petits dots bombés tout lisses, c'est trop mignon. Et ensuite, bah, des papiers forcément, puisque je fais beaucoup beaucoup d'albums. Donc voilà, vous savez que j'utilise beaucoup beaucoup de papier, donc j'en ai dans chaque commande. Alors, je vais vous montrer. Cela, c'est la collection Été Indien de Karine Cazenave-Tapi. Donc c'est les premiers que j'ai d'elle, donc je les connaissais pas, je voulais en prendre une collection pour tester. Voilà, donc ils sont très sympas. Ils sont un petit peu plus fins que ce que je pensais. J'ai l'habitude de travailler des papiers très très épais. Mais voilà, quand même, ils ont une tenue suffisante. Donc c'est très bien. Donc voilà, cette première page avec des cartes à découper.
L'arrière-bois rose et vert. Celle-ci, je l'adore. Voilà, ça c'est un peu moins mon style, mais ça fait un très bel ensemble. Celle-ci, je la trouve très très jolie aussi. Avec un arrière plus neutre. Voilà, donc celle-ci, plein de taches, effet taches d'encre. Celle-ci avec des formes géométriques, mais avec un dégradé de couleur. Et celle-ci avec un effet très sympa aussi. Alors il m'en manque une de la collection, j'ai pas eu de chance. Quand j'ai repéré dans mon panier, en fait, il en manquait une sur le site. Et du coup, voilà, elle était dans les tons bleus et j'ai pas pu l'avoir. Donc j'ai que 5 pages de la collection, c'est dommage. Je vous montre ensuite cette collection qui est une collection des papiers de Pandore, Winter Song. Donc voilà, c'est des papiers d'hiver, donc je pense que soit je vais pas l'utiliser tout de suite, soit je vais faire un album sans photo comme d'habitude. Puisque moi, vous savez qu'il n'y a pas d'hiver chez moi, donc c'est pas très évident à utiliser. Mais bon, je la trouvais vraiment jolie, j'avais envie de la commander, cette collection. Donc voilà, j'ai craqué quand même. Donc voilà, une première page à découper, donc avec des petites phrases et puis des cartes. Donc super sympa. L'arrière, des pois, donc assez neutre. Une page effet bois. Plein d'écriture, très très sympa. Alors celle-ci, j'aime bien parce qu'en fait on voit un effet textile dans le beige. Donc je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais vraiment c'est tout à fait le style de motif que j'aime. Et ici on a des notes de musique. Et celle-ci, j'adore aussi. Ça fait des grosses mailles comme de la laine. Donc vraiment, j'adore. Mais vous voyez, ça fait vraiment très, très hivernal. Donc comme je vous disais, je ne vais pas les utiliser facilement vu que je suis en Guadeloupe. Mais bon, j'ai craqué dessus. C'est comme ça. Donc voilà pour cette collection. Très sympa aussi. Je vous montre la collection de Swirl Cards, 5e Avenue. Donc là j'ai pris tout le kit, donc vous voyez il est composé de 5 papiers 30-30, vous avez les petites étiquettes comme ça découpées qui sont ici, et puis on a 3 planches à découper, donc des motifs et des mots, donc ça fait une très très belle collection. Voilà la première planche à découper, la deuxième. Oui, donc là aussi, vous remarquez, c'est des papiers d'hiver, Noël, des choses comme ça. Donc, c'est pareil, je pense que je vais faire un album sans photo, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas très grave. J'adore faire des mini-albums, de toute façon. Donc, qu'ils aient des photos ou pas, c'est pas grave, je les aime quand même. Et puis, vous êtes bien content d'avoir les tutos, même s'il n'y a pas de photos. Donc, voilà, la planche avec, vous voyez, les petits mots à découper. Donc, ça, c'est très sympa aussi. J'adore parce qu'en fait les versos sont décorés aussi, donc s'il y a un endroit, des choses qui vous plaisent pas, que vous voulez pas les découper, vous pouvez très bien faire une découpe à l'arrière de votre feuille, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc les papiers, donc les étiquettes à découper, là vous avez un effet bois clair qui est vraiment trop trop beau. Et ici, un peu en effet macrassé. Ici, on a un effet textile très joli aussi. Donc voilà pour cette collection 5e Avenue de Swirl Cards. Et maintenant je vous montre les feuilles en vrac. Donc celle-ci en fait a du foil doré en petits pois. Donc ça brille, c'est très girly, très joli. Et l'arrière des sortes de soleil en fait. Alors celui-ci sera pour les cartes de vœux l'année prochaine je pense. Puisque vous voyez, il est pailleté.
avec des flocons de neige. Donc il est vraiment très très beau. Un arrière plus neutre. Donc ça c'est la marque My Man's Eyes Sugar Plum. Et celui-ci, vous voyez les pailletés, des petites étoiles. Et ça c'est une page de la collection 5ème Avenue que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai choisi à l'unité parce que j'adore vraiment ce papier. Donc j'avais envie d'en avoir un deuxième parce que parfois quand on fait des mini-albums, par exemple, on n'a pas toujours assez d'une feuille pour faire la couverture. Donc voilà, je préfère en avoir deux quand c'est comme ça et au moins je suis tranquille pour faire les créations que je veux. Ou alors je peux faire aussi un mini-album et utiliser la deuxième pour faire une page. Donc voilà pour le matériel de scrapbooking. Et mon chéri m'a offert aussi un super micro de professionnel. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, vous avez le gros micro et puis le disque anti-pop, ça s'appelle, donc pour enlever toutes les nuisances, les bruits de bouche, etc., qui sont pas forcément agréables. Donc voilà, je commence à avoir du bon matériel pour faire mes vidéos. Voilà, donc ça c'est un très beau cadeau aussi. Et voilà, donc vous voyez, j'ai été gâtée. J'espère que vous l'avez été tout autant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.